Bonjour, je m'appelle Sana Warty, j'ai 18 ans, je suis à l'AMFR de Mortagne-au-Perche en classe de terminale SAPAT, donc service à la personne et au territoire. J'ai commencé cette formation parce qu'à la base j'étais dans la compta, sauf que la compta ne m'a pas plu par la suite, ça ne me plaisait plus. Donc j'ai fait un stage découverte en EHPAD et j'ai adoré le fait de me sentir utile auprès des personnes âgées, c'est vraiment quelque chose qui... Le fait d'être utile, ça me fait plaisir à moi aussi. J'ai choisi la MFR pour mon apprentissage, déjà pour des questions de proximité et le fait de pouvoir être sur le lieu de stage et être à l'école, ça permet de vraiment mettre en pratique du coup ce qu'on voit en cours. L'alternance sur un mois, ça peut être par exemple 2 semaines d'école, deux semaines sur le lieu de stage, comme 1 semaine à l'école et 2 semaines en lieu de stage. En fait, ça varie en fonction des mois. C'est pas... Mais l'équivalent, c'est à peu près 50% en école et 50% sur le territoire. Alors en effet, j'ai participé à la compétition des World Skills, donc c'est tous les métiers qui sont représentés par des jeunes, donc soit en alternance, soit en... ça peut être plein de choses. Et donc on est en compétition avec d'autres jeunes, d'autres établissements. C'est sur la base du volontariat du coup. Et on va avoir par exemple, pour ma part en aide à la personne, j'ai dû faire un sujet d'une personne atteinte d'Alzheimer. Et donc l'accompagner pour sa toilette, lui proposer une activité. Donc c'est un sujet qui a duré 1h20. Ça s'est très bien passé dans le sens où j'ai été très stressée. Parce que ça s'est passé sur un forum, donc beaucoup de monde, beaucoup de personnes qui peuvent nous regarder pendant qu'on concourt. Et on peut des fois être dérangé. Mais il y a les jurys qui ont du coup su intervenir et bien dire qu'il y avait une compétition. Et du coup, ça s'est très bien passé. Je suis arrivée première, donc médaillée d'or avec une note de 94,5 sur 100. Cette compétition, elle m'a apporté une fierté en plus du fait de... Ça me conforte dans mon choix, en fait, de projet d'orientation. Parce que je souhaiterais être infirmière. Et le fait d'avoir une bonne note et d'avoir réussi à assurer tout ce qui est communication, soins, l'hygiène, ça m'a appris plein de choses. Pour les jeunes qui ne veulent pas franchir le cap... parce qu'ils ont peur ou qu'ils ont de l'appréhension, du stress, foncer, c'est une bonne expérience, même si on ne la gagne pas, ça peut être un super truc à faire. Je les remercie de m'avoir accompagnée déjà jusqu'à Rouen, d'avoir pris sur leur temps personnel du coup. Et j'ai été super bien accompagnée, que ce soit par la monitrice, Madame Duflo, Madame Ganivet, la directrice, et aussi pour les entraînements du coup avec une aide-soignante et le président de la MFR.